Une scène pour le moins curieuse lors d'un rassemblement de Donald Trump hier soir. Le candidat républicain a arrêté de parler, s'est mis à danser pendant 39 minutes. D'ailleurs, un chanteur bien connu des Québécois n'est pas très content que Donald Trump se soit déhanché sur sa musique. Marie-Lise Mormina. Let me hear that music, please. Here we go, everybody. Cette scène plutôt étrange où l'on voit Donald Trump danser a eu lieu lors d'un rassemblement public avec des électeurs en Pennsylvanie lundi soir. Quelques instants plus tôt, deux spectateurs ont subi un malaise, possiblement en raison de la chaleur. Hold it, please. A doctor, please. Doctor. Donald Trump a ensuite cessé de prendre les questions et il a suggéré d'écouter de la musique. Celle-ci a joué pendant une trentaine de minutes. Kamala Harris et son équipe ont de nouveau soulevé des questions sur la santé mentale de Donald Trump. Sur le réseau social X, la vice-présidente écrit « Hope he's okay », j'espère qu'il est correct. Lors de cette soirée, le public a entre autres pu entendre « Alléluia » interprété par Rufus Wainwright. L'artiste a dénoncé cette utilisation sur sa page Instagram. La chanson « Alléluia » de Leonard Cohen est devenue un hymne à la paix, à l'amour. Voir Trump et ses partisans communier sur cette musique hier soir était le comble du blasphème. La publication indique qu'une mise en demeure a été envoyée. Et après cette soirée dansante, mardi, Donald Trump a défendu son plan économique lors d'une entrevue devant public avec le média Bloomberg. We're going to bring the companies back. We're going to lower taxes still further for companies that are going to make their product in the USA. We're going to protect those companies with strong tariffs because I'm a believer in tariffs. Pour une première fois mercredi, Kamala Harris accordera une entrevue à la chaîne Fox News. Le même média doit aussi diffuser un rassemblement de Donald Trump en Georgie. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.